Une délégation des membres de la communauté Bunakima, regroupant les ressortissants du secteur de Wanyanga, territoire de Walikale, conduite par leur président, M. Franklin Mabwanano Kanzai, ont présenté ce lundi 13 novembre 2023 leur civilité à son excellence, M. le gouverneur des provinces du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, lui féliciter pour sa nomination à la tête de la province depuis septembre l'année en cours, mais également lui encourager pour sa détermination à la restauration de la paix au Nord Kivu. Franklin Kanzai a d'abord présenté les problèmes qui bloquent le développement des Walikale, notamment les mauvais états de la route Goma-Walikale et de l'aérodrome de Kigoma situé à Walikale. Le président de la communauté Bunakima s'est dit satisfait de la promesse du gouverneur des provinces qui a rassuré son implication pour la recherche des solutions idoines aux difficultés que traversent les habitants des Walikale. Le gouverneur a été réceptif. Nous avons présenté certaines doléances par rapport aux difficultés que le secteur de Walikale reconnaît, notamment la problématique de la route de Goma-Walikale, mais aussi le problème de l'aérodrome de Kigoma. Le gouverneur a été réceptif et nous avons été très contents de la manière dont il nous a reçu et de la manière dont il nous a répondu. Surtout en nous rassurant que par rapport à la route, il a envoyé un émissaire au niveau de l'Europe pour retrouver des partenaires qui peuvent venir ouvrir la route. Donc, je pense que dans les jours à venir, nous aurons une route goudronnée de Goma à Walikale. Walikale a beaucoup de problèmes. Je crois que la manière dont le gouvernement nous a rassurés, toutes ces difficultés seront prises en charge par le gouvernement de province parce qu'il tient à cœur toutes ces difficultés-là. Avant même qu'on lui présente les difficultés, il avait déjà dans son agenda ces difficultés-là. C'est pour rassurer la population du secteur de Wanyang et de Walikale que le gouverneur est en train de multiplier les efforts pour que nous ayons la route de Mawalikale et que nous ayons aussi l'aérodrome de Kigoma. Il s'est de préciser que le président de la communauté Bunakima, Franklin Mabwanano Kanzai, ne s'épargne d'aucun effort pour le développement durable de Walikale.